Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. On est aujourd'hui samedi 16 décembre et il est 8h45, quelque chose comme ça. Je suis chez mon oncle, il est parti au travail, c'est pour ça que j'ose un petit peu parler dans son salon toute seule à mon téléphone. Pas que ça me dérange qu'il me voit le faire en fait, mais c'est juste que j'ai pas l'habitude de le faire quand il y a quelqu'un que je connais qui me regarde. Donc là, comme il est parti, comme il y a un tout petit peu de temps avant que j'aille au travail, je me suis dit que j'allais me poser avec vous et discuter un petit peu, même si j'ai pas lu, même si j'ai pas regardé de film de Noël. Je m'excuse par avance parce que c'est vrai que la pièce où je suis, il n'y a pas tellement de meubles que ça, donc c'est possible qu'il y ait un petit peu de résonance, que ce soit assez désagréable, donc je suis vraiment désolée pour ça. Comme je l'ai dit hier soir, j'ai pas pu lire, je suis rentrée, j'étais crevée. On en a profité bien évidemment pour papoter un petit peu ensemble, c'est toujours cool. Ce matin, il fait 0,2 degrés dehors. Ce qui veut dire que c'est une température à potentiel neige. Donc je croise les doigts, il y aura peut-être de la neige aujourd'hui. Ce serait juste tellement top. En fait, je me suis levée, j'ai ouvert la fenêtre, ma voiture était blanche de givre. Je suis descendue, j'ai dit « Oh là, tonton, il va faire froid dehors parce que ma voiture, elle est toute givrée. » On discute un petit peu, je termine mon petit déjeuner, je vois prendre son manteau, je me dis « Qu'est-ce qu'il fait ?» Il était parti commencer à gratter ma voiture. Bien évidemment, je lui ai dit merci, mais... voilà, c'est le genre de petite attention, j'ai rien demandé du tout. Il m'a dit, je t'ai gratté le plus gros, il te restera le reste à faire. Et voilà, je sais pas, c'est le genre de petite chose qui me fait plaisir. Et heureusement qu'il y est allé, puisque on ne pouvait plus mettre la clé dans la serrure tellement c'était givré. Donc il m'a aussi réglé ça, normalement je peux partir au travail, mais je vais quand même partir en avance. Puisque je déteste partir quand il y a du givre, parce que j'ai toujours peur qu'en fait, même en grattant, après ça regivre sur le pare-brise, et là c'est le cauchemar parce qu'on ne voit rien du tout. C'est horrible. Voilà, c'est un petit peu les aléas de l'hiver au niveau de la conduite, c'est un peu pénible. Ce midi, je ne mange pas ici puisque j'ai profité de ma pause déj pour me prendre rapidement un petit quelque chose à manger à la Micaline. Et après je vais aller faire du shopping. Le samedi de la semaine avant le réveillon de Noël, j'espère vraiment que midi et deux c'est la bonne heure pour le swap. Parce qu'il me manque encore quelques trucs pour le swap. Ça faudrait que je me dépêche de terminer, d'emballer ça demain pour que ce soit envoyé début de la semaine prochaine pour que ça arrive à Noël. En plus c'est pas en France donc voilà, il va y avoir encore plus de délais pour l'envoi. Je croise vraiment les doigts pour que ça arrive à temps, que le colis plaise, j'ai juste super hâte et je suis tout impatiente, tout excitée comme à chaque fois que je fais un swap. Voilà un petit peu pour les nouvelles, là je pense que je vais aller terminer de ranger mes affaires, terminer d'aller gratter ma voiture et je lui dis encore grand merci tonton d'avoir commencé à la dégivrer parce que ça fait vraiment super plaisir dès le matin. Et ben moi je vais terminer le reste, je vais essayer de trouver une place comme hier en centre-ville et puis aller au travail, donc je vous dis à plus tard. C'est quand même dur de sortir de la maison quand on est bien au chaud dedans devant le poêle. Il n'y en a pas chez moi, mais j'adore ce truc en fait. À chaque fois que je suis là, je suis presque tout le temps devant ou pas très loin parce que c'est juste tellement bien. Et je pourrais regarder ça pendant des heures aussi, je trouve ça vraiment très beau. Mais non, là il faut sortir dans le froid et quitter la bûche dans le poêle. Il est 9h05, j'ai mis le chauffage à l'intérieur de la voiture pour que ça dégivre un petit peu plus rapidement. Mais c'est un truc de fou en fait, je pense que c'était pas du givre, on aurait dit limite de la glace, il y en avait une couche tellement épaisse. C'était dur à gratter et encore, comme je vous l'ai dit, mon tonton extrêmement gentil avait commencé à le faire. Et il s'est passé un truc de dingue aussi puisque je vous avais dit qu'il m'avait dégelé la serrure dans laquelle je pouvais pas mettre la clé. Et juste dans l'espace de un quart d'heure, le temps que je m'habille, etc., ça s'était regelé. Je pouvais plus mettre la clé encore et la seule porte qui s'ouvrait c'était le coffre. Donc j'espère que personne n'a vu, mais j'ai enlevé la plage arrière. Un petit peu de gymnastique dès le matin, ça fait du bien. Je suis montée dans la voiture par le coffre pour ouvrir la portière conducteur à la main de l'intérieur. Voilà. Heureusement que le coffre s'ouvrait parce que sinon je ne sais absolument pas comment j'aurais fait. J'ai essayé de reverser encore une fois de l'eau chaude sur la serrure, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà, ça c'est vraiment le genre de choses que j'aime pas en hiver. J'adore l'hiver pour ses paysages, j'adore l'hiver pour son froid, j'adore l'hiver pour l'ambiance de Noël, pour un tas de choses. Vraiment, j'aime cette saison. Mais gratter le pare-brise, j'aime pas. Devoir rentrer dans ma voiture par le coffre, en soi cette gymnastique me gêne pas, mais que tous ceux qui regardent dehors voient mes fesses et se demandent ce que je suis en train de faire, j'aime pas trop forcément. Donc là, j'espère que ça va continuer à dégivrer assez vite, puisque je voudrais être maximum à 9h15 dans le centre, trouver une place et pas devoir faire un sprint dans les rues du centre-ville pour arriver à la boutique à l'heure. Normalement ça devrait le faire,
Je croise fort les doigts, c'est parti. Et 9h16, quelque chose comme ça. Ça a été un peu galère pour trouver une place, mais j'ai trouvé. J'ai eu le temps de monter tranquillement jusqu'à la boutique. Pas de pression là-dessus. Seul petit coup de stress, c'est que j'ai dû me garer le long de la route. Donc c'est des places de parking, hein, c'est complètement légal. Mais ma serrure ne fonctionne toujours pas. Et j'avais oublié qu'on ne peut pas refermer de l'intérieur. Donc là, ma voiture est carrée le long de la route, avec mon PC, tout ça dans le coffre, ouverte. Voilà, parce que je ne peux pas la fermer. Donc je croise les doigts pour qu'il ne se passe rien, parce que sinon, ben, ce sera tout pour ma faute. Voilà, c'était les petites joies voiture du matin. Maintenant, je vais pouvoir aller au travail tranquillement. Voilà, mais pas de raison que cette journée se passe bien, qu'il y ait plein de bonnes choses. Ça va être une super journée. Si on part en se disant qu'aujourd'hui, ça va être une super journée, il y a plus de chances que ça en soit une que si on se dit « journée pourrie ». Donc aujourd'hui, super journée. 10h30, j'ai eu le temps d'aller me chercher à manger, comme je vous l'ai dit, à la Micaline, puisque c'est juste à côté, de retourner à ma voiture, et je vais manger dans ma voiture je pense, mais je ne vais pas avoir le temps d'aller faire du shopping puisque une employée est malade. Du coup on m'a demandé de ne prendre qu'une heure de pause au lieu de deux et de finir à la même heure, donc c'est bien, ça me fait une heure de plus de travail, mais ça me fait une heure de moins pour aller faire du shopping. Et voilà, là il est 12h22 très exactement, je dois être retournée à 13h08 à la boutique. C'est chaud patate, je pense que je vais manger assez rapidement. Et bah j'irai faire les boutiques un autre jour, demain on est dimanche. Mais il y a pas mal de magasins qui sont ouverts puisque c'est dernier dimanche avant Noël. Donc je croise fort les doigts pour que ceux dans lesquels je veux aller soient ouverts. Que je trouve quelques petites choses pour le swap, ça m'arrangerait vraiment beaucoup. Sinon bah j'irai sur ma pause de lundi matin, c'est pas grave. Là je vais manger parce que j'ai quand même super faim. Et 12h32, je viens de finir de manger, là j'ai mangé en 10 minutes chrono. Je sais que c'est pas bon du tout de manger aussi vite. Mais là, je vais pouvoir remonter tranquillement vers le centre-ville. Peut-être aller dans une boutique que j'ai vue qui a l'air bien sympa. C'est une boutique écologique en fait, qui vend en vrac sans emballage. Et l'intérieur a l'air bien joli tout ça, donc j'ai envie d'aller voir. En plus, c'est pas très loin de là où je travaille. Et après, bah, faudra déjà retourner au travail. Ce sera déjà fini la pause. Donc, et ben, j'y vais. Il est 23h30, je suis bien rentrée, j'ai eu le temps de prendre ma douche, tout ça, tout ça. Je voulais vous reparler assez rapidement du magasin dont je vous parlais ce midi, un magasin d'épicerie un petit peu en vrac. Ça s'appelle Mamie Mesure, c'est dans le centre-ville de Vitré, une rue de la Borderie pour être exact. C'est vrai que l'intérieur du magasin est juste superbe, j'ai adoré dès que je suis rentrée dedans. Après, au niveau des prix, est-ce que c'est avantageux? Je sais pas forcément, mais il y a une ambiance particulière. J'en ai profité pour faire quelques petits achats de Noël dans ce magasin-là. Et après, finalement, comme je vous l'ai dit, j'ai eu qu'une heure de pause. Donc je suis retournée travailler, il s'est rien passé de bien fou jusque-là. Mais je tenais quand même à clôturer ce bookmas de manière un petit peu correcte en vous souhaitant quand même, comme d'habitude, une bonne nuit, journée, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous fais à tous plein de bisous, moi je filme mes sous la couette et dormir jusqu'à je ne sais quelle heure demain, puisque demain comme je vous l'ai dit c'est l'anniversaire de ma grand-mère, mais on va juste au restaurant asiatique, hein, quelque chose de très simple, en petit comité, juste pour célébrer un petit peu l'événement, mais c'est à 12h30. Donc je peux dormir demain matin, je reste bookmas à vous monter aussi demain matin, mais je vais aussi pouvoir lire et j'espère que demain est le jour où je vais terminer un chant de Noël de Charles Dickens. Pas que j'aime pas ce livre, mais c'est vrai que j'ai envie de passer à quelque chose parce que ça fait quelques temps que j'ai pas lu. Ça fait quelques temps que je traîne ce livre et le plus frustrant c'est que je le traîne parce que je n'ai pas le temps de lire alors que j'ai énormément envie de lire. Et c'est toujours frustrant quand c'est comme ça, mais j'espère que ça va vite s'arranger. En tous les cas, après Noël, normalement, ce sera le cas, parce que la semaine prochaine, ça va être de la pure folie. Autant au niveau des bookmas qu'au niveau du travail, etc. Ça va être la journée la plus chargée, mais on est motivé, on y croit, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Donc je vous fais à tous plein de bisous, et je vous dis à demain sur la chaîne BookTube pour un nouveau bookmas. Bye bye!